la bouteille d'eau et la gueule. Tes impressions ? Normal. Tes impressions ? Au top. Donc là en fait juste là c'est le parc à vélo et en fait les athlètes ils ont accès au parc à vélo, vérifier un petit peu tout leur vélo, regonfler leurs pneus s'ils ont dégonflé leurs pneus. Donc en général moi quand je vais à mon parc à vélo, je remets une ou deux barres, mes gourdes que j'ai remplies et puis voilà. Et une fois qu'ils ont fait leur check-up sur leur vélo, et bah du coup en fait ils vont aller, je crois qu'on va aller derrière, je sais pas si vous voyez, c'est par là-bas, le départ il est par là-bas. Oh les gars, ils sont trop beaux. Comment il est beau? T'as vu les boss? Bon, j'ai croisé les Français qui se préparent. Le style claquette, les gars! Mais ils sont en train de nager. Ok, donc là on est à l'arrivée de la natation. Ils passent sous les douches et ils vont derrière, hop, au parc à vélo si vous voyez juste derrière. Allez mon Juju! Allez mon Juju! Oui, toi! Non! Oh là là, je suis toute émue de participer, ça m'énerve, mais bon, il est trop fort. Il y a peut-être les pros qui vont pas tarder à arriver, dont Bertrand Billard que j'ai vu tout à l'heure, bien concentré, bien à fond, et mes potes eux ils vont arriver beaucoup plus longtemps après. Bon les gars, je regardais les noms des participants. Oh, salut Marine. Allez, c'est le premier qui arrive là, le premier homme. Allez, ça c'est le deuxième. Allez, le troisième. Bon, comme vous avez vu, là, il y a les premiers hommes qui sont arrivés. Et ils ont une allure, mais de malade. C'est impressionnant. Quand vous vous dites qu'ils ont nagé 1,9 km, qu'ils ont fait 90 km à vélo dans le désert et tout, et que là, ils sont partis pour un semi-marathon. Quand je fais mes cours, je me rends pas compte de ça, mais d'un point de vue extérieur, c'est ouf. Alors le pire sur les Ironman, sur les full Ironman où c'est deux fois plus, c'est ouf. Donc là en fait ils passent juste comme ça, hop, ils font le tour et ils reviennent. Ils ont 3 tours à faire. 3 tours à faire pour faire les 21 km. Tu bouges ton boule.
je pense que Luju est arrivé d'ici une heure à peu près. Come on! Congratulations! Allez Vincent, c'est bien! J'en profite pour encourager les Français et même encourager tout le monde qui arrive. Come on! Trop beau, c'est trop cool quoi, les gens qui arrivent, ils sont trop heureux. Ça fait trop penser à moi qui suis mes folles quand j'arrive près de la ligne d'arrivée. Je suis vraiment contente d'être là. Allez mon Juju! Allez mon Juju, t'es le meilleur! T'es le meilleur! Bon bah là en fait tous les pros sont arrivés, mon pote Juju est arrivé. C'est le cours, c'est vraiment des pros, mais c'est aussi des gens qui font du sport mais qui sont pas forcément du tout athlètes du tout, et c'est ça que je trouve vraiment génial. Vraiment d'être supportrice. Genre j'attends, ça fait genre je sais pas 2-3 heures que j'attends de voir passer les gens. Mais c'est ça aussi la course, c'est trop cool, on encourage toutes les nationalités, tous les pays, enfin franchement c'est vraiment génial. C'est la plus dure course que j'ai fait de toute ma vie. Pour l'instant. Bon les gars, je pense que c'est abonné ici. Bon bah les gars, ils ont fini. C'était pas la première fois. Mais Paul, c'était son premier Half Ironman. Il est hyper content. Et je suis trop contente pour eux. Je suis un peu tout émue. Mais franchement, c'est trop bien. J'adore les ambiances comme ça. J'adore les voir. J'adore les encouragements. Et franchement, je suis hyper contente d'être venue. Hyper contente d'avoir été là pour les supporter. Franchement, je suis trop fière. Trop fière de tout le monde qui a fini cet Ironman à Dubaï.